Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 18e épisode de Fable 1 The Lost Chapter. Alors mes amis, je suis très content de vous retrouver après ces mois d'absence, vilain Léo. Tu as une auréole sur la tête et pourtant tu es un coupable. Comment cela se fait-il? Je ne sais pas. Non, bref, vous savez tous hein, que la chaîne en fait entière a été mise en pause, pas vraiment volontairement, par flemme. Vraiment par flemme, par d'autres raisons que j'évoquerai pas ici de toute façon parce qu'elles sont déjà évoquées dans la vidéo qui est sortie il y a peu de temps je pense, enfin quelques jours, et qui explique mon retour sur la chaîne. Donc de toute façon je vais pas aborder le sujet dans ce let's play, je sais que beaucoup de mes let's play ont été interrompus par des pauses, c'est un truc récurrent chez moi. En tout cas, pour me faire pardonner, je vous ai mis en début de vidéo, et je pense que vous l'avez tous apprécié ou au moins enfin vous avez vu le générique, enfin c'est pas vraiment le générique en fait, c'est le comment vous dire, la cinématique quand vous lancez le jeu, la cinématique de Fable avec la musique caractéristique de Fable. Et franchement, bah vous arrêtez si je me trompe, mais je trouve qu'elle claque vraiment beaucoup, et ça donne envie d'y rejouer. C'est à dire que j'étais pas forcément hyper motivé pour rejouer à Fable, je me dis ah, Fable ça fait longtemps que j'y ai pas joué machin, pff, la flemme. Et puis j'ai lancé le jeu et tout d'un coup j'ai dit attends, je vais regarder la cinématique. Je l'ai regardé en entier et à la fin j'avais envie d'y jouer. Donc là il est un peu tard, je me suis bu un verre complet de café et je suis chaud pour attaquer ce let's play. Voilà. Passez une bonne journée. Ah oui, j'avais oublié que les gens parlent dans ce let's play, c'est génial. Donc je disais je vais arrêter de raconter ma vie et on va commencer l'épisode. Alors, donc je me souviens que dans les épisodes précédents, je vous avais dit, vous voyez, je vais faire un épisode spécial où on va faire que des quêtes annexes, pardon, que des quêtes annexes. Et honnêtement, c'est un peu compliqué de reprendre le jeu et de faire que des quêtes annexes. Du coup, on va pas pouvoir vraiment faire ça. Du coup, on va, pour cet épisode seulement, on va essayer de faire la suite de l'aventure, tout simplement, sans se prendre la tête. Il faut savoir qu'on approche de la fin du jeu, enfin je dis pas qu'on y est encore, hein, mais on a fait une bonne majorité du jeu je pense. Du coup, là, avec les épisodes qui vont venir, ça va se devenir de plus en plus coriace, mais ça va aussi de plus en plus se rapprocher de la fin. Ou peut-être que je me trompe, enfin je sais pas. En tout cas, je pense qu'on commence à... Voilà, en tout cas notre héros, il commence à être bien... on va dire bien mature, bien en forme, bien héroïque. Il est plus tout jeune maintenant. Est-ce qu'on peut voir dans les options statut du héros, voilà. Journal. Héros. Non, alors c'est pas ça. Inventaire. Statut du héros. Personnalité. Alors voilà. Ah là, il a 36 ans. Ah non, 36 ans. Ça veut dire qu'il en est à la moitié, hein, même moins. Bah je sais pas, en fait, je m'en rends pas compte. Ce que je me souvenais dans la dernière fois que j'avais joué à Fable, enfin je m'en souviens parce que j'avais trouvé ça marrant, c'est que quand j'avais fini le jeu, mon héros avait à peu près 70 ans. Donc ça nous donne un petit indicateur de combien de temps il reste à jouer. Allez au cimetière. Wow. Allez au cimetière. Ah, allez au cimetière. Les PNJ qui allez racontent des choses toujours très différentes. C'est tellement allez agréable. Au cimetière. Bon, et bah apparemment faut que j'aille au cimetière. Alors attendez, on va regarder ici quand même. D'accord, donc là en fait j'aurais déjà pris la quête principale. Bon bah c'est super, je me rappelle plus du tout. On va vite fait sortir de la guilde et on va aller voir un peu ce qui se trouve de l'autre côté. Alors, ouh, mais je suis riche en plus. Très intéressant tout ça. Alors, allez au cimetière. J'essaie de trouver en fait le point doré, parce qu'il y a un point doré. On va essayer de le trouver avec la carte. Donc c'est pas là, 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 c'est pas là. Ah si, c'est là. Cimetière de Lichfield. Ok. Alors, apparemment, il faut aller au cimetière de Lichfield. Vous savez quoi? On va faire un truc un peu débile, mais on va y aller à pied. Ça nous fera un peu les... Pardon. Ça nous fera un peu les jambes. Et surtout, ça me permettra de me réapproprier le jeu et ses commandes, parce que c'est vrai que, vu que ça fait très longtemps que j'ai pas joué, je me rappelle plus du tout de comment on tape. Enfin, comment on tape. Si, en fait, regardez, hop, j'ai pas vraiment perdu la main, mais c'est toujours un énorme marteau que je me trimballe. Roulade inutile.
Ça aussi, c'est complètement génial. J'avais oublié ce jeu. C'est... ses points positifs et tout ça et tout ça. Comment je t'ai bousculé, toi? Fais pas le malin devant moi. Alors, on continue. Donc moi, je marche jusqu'à ce que je tombe sur le cimetière. Je sais même pas si je suis au point le plus proche de là où je dois aller, mais en tout cas... Attends, what the fuck? Ah, j'ai décalé mes doigts, c'est pratique ça. Et j'ai perçu du loyer aussi, et ça c'est super cool. J'aime bien percevoir du loyer. Bonjour fillette, allez pousse-toi. Hop là, on continue. Tu vois, si vous avez vu, au moment où je suis rentré dans la ville, en fait, il y a eu un petit message qui est apparu et qui m'a dit que j'avais gagné 600 pièces, enfin un truc du style. Donc c'est plutôt cool. Allez, on fait la route. Bonjour. Ah bah tu m'as pas répondu, d'habitude vous me répondez. Merci, merci. Vous ne voyez pas, c'est une conspiration. Ah oui, il y a le fou malade mental ici. Qui m'a d'ailleurs... Ah oui, ça y est, je me souviens. Lui, il m'avait proposé de ne pas épouser la Miss, là, la Miss Tinguette, qui est chef du village, en me disant qu'elle était folle et qu'elle était méchante et tout. Et étant donné que je suis quelqu'un de gentil, j'ai décidé de l'écouter. Pourquoi est-ce que j'ai pris gentil? J'aurais dû être méchant, c'est beaucoup plus drôle. C'est promis que si je refais un fable, je serai méchant. Alors, Colin the Windmill. Oula, ça y est, il y a des mobs. Maintenant, ça va chier. Pardon. Pardon l'expression. Ah putain, en plus, ils rigolent pas, hein. C'est des qui rigolent pas du tout. Wow, j'ai dodge... Alors, attendez. Là, je viens d'éviter l'attaque du monstre, mais alors que j'avais rien... Ok, j'avais oublié, donc. C'est le clic droit pour faire la méga attaque qui tue. Stylé. Ah ouais d'accord, ici y a pas que des monstres en fait, y a masse de monstres. Putain ceux-là ils sont trop bien, ils meurent en un coup. Mais c'est magnifique. Bonjour. Au revoir. Je vais pas départ. Lui il est costaud lui. Il est pas hyper véloce mais il est costaud. Enfin pas tant que ça. Mais pas hyper véloce non plus hein. Bois de gibet. Alors attendez, faudrait quand même pas que je m'en... Enfin que je me... Que je me fourre dans un endroit où j'ai pas envie d'aller. Parce qu'en fait, la question c'est est-ce que ce chemin que je suis en train de faire, je l'ai pas déjà fait? Est-ce que je suis pas en train de perdre beaucoup mon temps? Alors, de toute façon, on va le faire comme ça, hein. Et puis, c'est pas grave si je l'ai déjà fait. Hop, bim. J'avais oublié à quel point c'était facile les combats. Enfin, facile. Je dis ça maintenant, mais en vrai, c'est pas si simple que ça. Alors, hop. Ah, le soin. J'avais oublié le soin aussi. Attention. Tiens! Tu vas rencontrer Scorp. Tiens! Mange ça dans ta tronche! Pour l'instant, son pote le regarde hein, et l'encourage, tu sais, genre crève! Ouais! Calme-toi! Calme-toi, jeune homme! Voilà! Hop là! Regardez mon héros qui avance avec genre le marteau à la main, genre je vais te défoncer! C'est génial ce jeu! Par contre, du coup, j'ai pas du tout regardé le temps. Ok. Là j'ai mon téléphone qui m'indique qu'il est à la demi. Comme j'ai commencé il y a je sais pas genre 5 minutes quelque chose du style. J'ai pas exactement le temps en tête. Je me ferai une idée de quand arrêter l'épisode. De toute façon vous avez un truc génial par rapport à moi. C'est que vous savez exactement combien de minutes dure l'épisode. C'est à dire que vous pouvez regarder. Ah là dans pas longtemps ça va s'arrêter. Donc vous avez une petite indication. Alors parler au gardien du cimetière, donc cette fois-ci il n'y a pas de chronomètre, hein, parce que la dernière fois je m'étais fait avoir à cause d'un chronomètre. Et ça a l'air d'être une toute petite quête, mais à mon avis c'est plus une quête de l'histoire en fait, plus qu'autre chose. J'aime bien l'ambiance, ici c'est stylé. Par contre j'ai vraiment l'impression que mon jeu a perdu en qualité graphique depuis la dernière fois. Enfin je me rends pas vraiment compte, mais... Mais je dois avouer que je sais pas, c'est très bizarre. C'est comme si mon jeu était devenu moins beau. Je me demande si ça se ressent ou si c'est juste moi qui me fais des idées. What the fuck, man? D'accord, j'ai pas la clé. What the fuck, man? Bonjour. Dégage de là, vieille pustule. Je n'ouvre qu'un Nostro. Excusez-moi, je vous ai pas laissé finir la parole du monsieur, mais moi j'ai eu le temps de lire. J'ai un peu oublié de faire ça d'ailleurs. Faudra que je prenne le réflexe. Alors,
Il n'ouvre qu'un nostro, machin bidule truc, mais... il y a un coffre là. Ah. Vous en avez une complète. Ça doit valoir une fortune, ça. Ouais. J'ai ouvert la crypte et c'était juste posé là. Comme ça. Vous devriez la cacher pour ne pas qu'on la vole. Pas de soucis. Je l'ai planquée dans le cimetière. Elle est impossible à trouver. Pas même pour les morts vivants qui s'y baladent. Il n'y a que le casque que je n'ai pas réussi à cacher avant leur arrivée. Il est bien où il est, et je garde les portes fermées jusqu'à ce que je vende le tout. Chut, c'était quoi? Il y a quelqu'un dehors. J'y vais. Oui. Sortez de chez moi, maudit paysan. D'accord, je m'en vais. Je voulais juste dormir au chaud. Ah, des fois le réalisme de fable. Bonjour monsieur, j'ai tout entendu. Bonjour, j'ai tout entendu, j'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Je vais te niquer, je vais prendre ton casque. Pardon. Bon, alors déjà. Ouh, la pelle. D'accord, donc ça veut dire qu'il va falloir creuser. C'est plutôt bien. Bonjour. Hey, bonjour. Affaire de la guilde, hein? Vous voulez passer les portes de l'ancien royaume? Ça fait des lustres qu'elles n'ont pas été ouvertes. Il est dit que seul Nostro, le gardien, peut les ouvrir. Mais le vieux Nostro est mort il y a quelques centaines d'années en emportant son secret dans sa crypte. Je suppose que vous voulez entrer dans le cimetière. Allons-y. La crypte de Nostro est tout au bout du cimetière, en haut de la colline, après la rivière. Ok. Alors, on va faire simple. Les morts s'animent encore, je vous l'avais dit. Ok, donc, on va faire très très simple même. Tiens, mange ça toi. Ah, ils sont assez faciles à buter, les squelettes, en fait. Donc, putain, il y a des trucs à pêcher, pardon pour l'expression, mais... bonjour squelette. Au revoir squelette. Les vieilles tombes n'ont pas été touchées depuis longtemps. Ah, c'est super facile à tuer. Ça fait du bien, hein, des monstres très simples. Hop, bonjour, au revoir. Et bonjour, au revoir. Ça me fait penser... Ah, attendez. Ce chemin ne mène vraiment nulle part. Ah, j'avais oublié à quel point c'était chiant les personnages qui vous suivent et qui disent n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai qu'ici, les squelettes, en fait, ils pop en boucle. C'est-à-dire qu'en gros, y a pas de limite de monstres. Vous pouvez rester et vous allez continuer à XP tout le temps. Ok, lui, c'est un peu plus gros, du coup, je vais le verrouiller. Et a besoin d'être taillé. Allez. Bon, il est pas hyper costaud non plus. Non, ça va, c'est pas hyper dur. Je sais pas exactement où je vais, mais j'y vais. Allez, viens là, toi. Boum. Et boum. Oh, c'est cool, ça fait du bien de défoncer des monstres sans se prendre la tête. Bonjour. Bonjour, monsieur le squelette. Chariot. Il faut que je répare une roue. Il n'y a rien là en bas. Que recherchez-vous? Je recherche des squelettes à taf. À défoncer. Voilà, en plus il rapporte. Ah ouais, non, en fait, non, il s'arrête jamais de sortir du sol. Donc faut pas trop continuer, quoi. Viens là, l'XP. En fait, faut progresser dans ce jeu. Parce que clairement, les squelettes, vous en aurez tout le temps si vous restez. C'est la crypte de l'ancien royaume. Sinistre, n'est-ce pas? Attends, hop, qu'est-ce que. Ouais, très sinistre. Mon armure, mon casque, mon épée et mon écu. Trouvez-les et la voie sera libre. Donc déjà, on sait à peu près ce que le mec a volé. Et lui, il nous a demandé de retrouver ces trucs. Alors... Oh, attendez. Ça m'intéresse, ça. Les trucs derrière les ronces. Il y aurait pas une clé d'argent? Non, parce que depuis le début de l'aventure, on nous a parlé des clés d'argent en nous disant « Ouais, faut les trouver, machin. » Et on en a trouvé qu'une seule, hein. Je sais pas si vous réalisez. Alors, je sais qu'il faut faire beaucoup de choses annexes pour les trouver, mais bon, quand même.
Une canne à pêche. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. En fait, on a besoin de ces trucs-là pour, justement, pour dénicher les trésors du monsieur. Ok. Bonjour. Deux. Et au revoir. Pourquoi je me suis soigné? Bon, bizarre. Alors, il y a moyen de savoir... Ah. Ok, donc là j'ai trouvé l'armure. Lui il est pas content. Enfin, en fait il est censé pas être content parce que c'est quand même un peu l'armure de son... Enfin, l'armure de Nostro, celle qu'il avait cachée et qu'il était censé revendre. Qui était censé revendre super cher, je t'ai pas mal à le rappeler. Mais il a pas l'air trop dérangé que j'ai pris l'armure du mec qu'il a... Est-ce qu'il est mort, mon copain là? Je l'ai vu tomber. Peut-être qu'il est pas mort. Ah non, il est pas mort. Oh, c'est fort dommage. De toute façon, j'ai l'impression que c'est pas très grave s'il meurt parce qu'il n'y a pas sa barre de vie à côté. Genre, c'est pas un truc où il faut l'escorter. En fait, il est juste avec nous, et... mais c'est pas très grave s'il crève. Voilà. Oh, c'est bien, il est mort. Oh, bah, ça me fait un truc en moi à me soucier. Hop là. Ah, mais en fait, on peut rester ici et puis prendre de l'XP tranquillement autant qu'on veut. C'est ridicule. Bon. Alors. Là, il y a un truc pour pêcher. Alors, on va essayer de pêcher ça. Hein. Hop, donc pour pêcher, on va d'abord buter les squelettones. Ils sont là. Ouais, j'ai mis un coup dans le vent. Super. Waouh, c'est passionnant. Alors. Oups, alors inventaire, oui, excuse-moi, j'ai un peu du mal à me concentrer. C'est parce que c'est tellement intéressant de tuer les squelettes. C'est trop bizarre en fait, il y en a une infinité, mais ils sont tellement simples à buter que du coup ça n'a aucun intérêt. Objet. Autre. Canne à pêche. Utiliser. Ouais, enfin. Inventaire. Objet. Autre. La pêche. Ah putain, faut que je me souvienne. Oh là 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 là. Faut que je me rappelle. C'est vrai que. J'avais mis du temps à trouver déjà. Alors, objet. Alors, attendez. En terre. Objet autre canne à pêche utilisé. D'accord, faut juste tirer quand le poisson tire pas. Ah ouais, non merde, j'en ai mis un de croc. Ah, je m'en rappelle de comment faire, c'est juste super lourd. Et du coup, ça m'oblige à me taire, parce que j'essaie de me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Et on peut pas faire la pêche plus les commentaires. C'est un peu compliqué. Allez, cette fois-ci, je vous promets, j'ai compris le truc, donc je vais pas me rater. Ok, donc on attend que ça apparaisse. Oh, c'est une blague! Au moment où il m'a dit de cliquer, il y a le poisson qui était en train de tirer. Bon, je suis absolument nul en pêche, hein, c'est officiel. Allez, on va y arriver. Ok, j'ai réussi. Bon, c'est pas que ce soit hyper dur en soi, hein, mais dans le doute, bon, allez, j'ai réussi. Donc déjà, j'ai trouvé... Coucou. Attends, laisse-moi sortir mon arme. Parce que bon, c'est pas que j'ai pas envie de t'affronter à main nue, mais quand même. Oh, la vache, il m'est cher quand même. Faut faire gaffe. Hop, pendant ce temps, on en profite pour taper tes copains qui sont sur le côté. On t'achève. Et on retue tes copains. C'est plutôt cool, hein, comme concept. Allez, cette fois-ci on court et on va aller chercher
En fait, faut les ignorer, hein, parce que sinon, vous en sortez pas. Ça rend le truc hyper long. Ok, donc là, c'est simplement une crypte. Ah, c'est vrai que c'est tab pour ouvrir. Donc là, j'imagine que je vais trouver des trucs clés d'argent, d'accord. Coucou. Bon, toi, je te mets quand même 2-3 tatanes, parce que sinon, c'est pas rigolo. Pareil. Hop. Bonjour, au revoir. Bonjour, au revoir. Bonjour, au revoir. Bonjour, au revoir. Bon, mais du coup, ça m'a pas fait trouver ce que je cherchais. Ah, voilà, donc ici. Option... Non, pas option. Cette fois-ci, c'est inventaire. Oh là là, les RPG où faut utiliser ces objets, on allait les chercher dans l'inventaire. Ça fait un moment que j'ai pas joué à un jeu comme ça, moi. Ça existe plus aujourd'hui, ça. Maintenant, vous cliquez sur une touche parce qu'il y a un gros carré qui s'affiche à l'écran si vous êtes sur console. Et hop, vous cliquez et ça fait le truc pour vous. C'est quand même beaucoup moins fun. Bon, je rigole, c'est un peu plus pratique, mais quand même, on perd un petit côté nostalgique qui existait sur les RPG comme Fab. Yeah, mais viens là, toi. Putain, il est super chiant. Je déteste les gros mobs qui bloquent. En fait, c'est super frustrant quand un mob bloque vos coups. Bon, heureusement, on va dire qu'il bloque un peu les coups, parce que sinon, ce serait vraiment trop facile comme jeu. Mais ça a vraiment un côté frustrant qui est saoulant. Alors, attends. Ouais, bah, attendez, là, c'est de la pêche, en fait. Bon, je vais quand même me débarrasser des deux petits, là. Il y a un autre truc mal fichu sur Fab, c'est qu'au moment où vous... Attendez. Oh non, c'est une blague. Oh putain, ça s'arrête jamais. C'est un flux continu. C'est bon. Je disais, il y a un truc super chiant, c'est que... Oh bah je sais plus. C'est vous dire à quel point je suis concentré. Allez, canne à pêche, on se refait un petit coup de pêche, mais cette fois-ci je suis chaud. Cette fois-ci je vais y arriver. Attention. Bon, donc on attend que ça parte. En fait, c'est vraiment super chiant. Faut guetter le bruit. Et dès que le bruit apparaît, faut s'arrêter de cliquer, quoi. C'est vraiment relou. Bon, alors en fait, sans m'en rendre compte, ça fait 2 clés d'argent que je récupère. Et ça, c'est carrément super cool. Dans la mesure où j'en avais aucune et que du coup, c'est plutôt bien, quoi. Ah, donc à mon avis, là, on va récupérer la dernière pièce d'armure. Parce qu'il avait dit qu'il pouvait pas la cacher. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, bonjour, au revoir. Ça y est, j'ai retrouvé le truc super chiant dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, c'est juste qu'ils ont mis la touche Tab pour récupérer l'expérience. Shift plutôt. Et que quand vous appuyez sur Shift, c'est aussi la touche pour lancer des sorts. Du coup, des fois, quand vous voulez récupérer de l'expérience, en fait, sans le vouloir, vous lancez un sort. Seul Nostro, avec ses... Ah non, ça y est, j'y suis. En fait, il faut que j'aille apporter, à mon avis, le... Les trucs à Nostro. Ouais, voilà. Maintenant que je les ai. Au revoir, on te snob, je veux même pas te parler. Ah putain, il est apparu comme ça, genre un ninja. Au revoir, pourri, bonsoir. Bonsoir, monsieur le squelette, au revoir. Non mais franchement, un jour, faudra m'expliquer comment les mecs qui ont conçu le jeu peuvent imaginer la démarche du héros comme ça, quoi. Le mec trimballe son marteau sur le côté, c'est juste génial. Non, apparemment, c'est pas la bonne crypte. Au revoir, vous ne m'avez pas vu, merci. On passe à la suivante. Ah oui, voilà, c'est là. Oh là là, mais tu fais chier. Tiens, pour la peine, toi, je te tue. Hop là. C'est parti. Mon armure, mon casque, mon épée et mon écu. Vous les avez trouvés. La voie est donc libre. Alors, t'as aidé le vieux à récupérer son armure. Alors, je te laisse passer. Mais attention, ne laisse pas de traces de doigts sur moi. Ah, j'avais oublié à quel point ce jeu est bien. Non, mais franchement, pourquoi j'ai arrêté de jouer à Fable ? Oh là là, qu'est-ce que je suis con. Bon. Donc voilà, il nous a ouvert la porte, on va continuer. J'ai regardé le temps, apparemment ça fait quand même un petit moment que l'épisode tourne.
Lâchez-moi, mesdames et messieurs, les squelettes, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des mesdames parmi vous? Je ne crois pas. Hein. Putain, la vache, vous popez. Wow, faut pas avoir perdu nombre. Hein. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Hop là, un petit coup dans le vent. Oh là, oh, 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 oh. Zen attitude, les gars. Zen, monsieur. Hop là. Vous n'êtes pas le bienvenu. Apparemment, je ne suis pas vraiment le bienvenu, ouais. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, je pense que le mec qui reste ici pendant 4 heures et qui farm son personnage, il peut arriver à être au niveau max partout à ce moment du jeu, quoi. Parce que clairement, il n'y a jamais eu autant de monstres et d'XP en un seul endroit réuni. Viens là, squelette. Ah, j'adore, il y a plein d'actions, c'est super. Ça fait un épisode super intéressant. Par contre, putain, mais les mecs, ils popent devant vous, quoi. Il faut vraiment pas avoir peur, hein. Bam. Bam. Ah là, ça fait... Il est encore temps. Non, il est pas temps de partir, là. Il est temps d'XP. C'est ce que je suis en train de faire, d'ailleurs. Je sais pas vous. Alors, je vais faire une petite parole, comme ça, à la con de Léo. Mais moi, bon, je joue pas mal à des RPG, à des MMORPG aussi. Et il y a un truc dans les MMORPG que j'adore particulièrement. C'est le fait de voir son perso évoluer. En fait, enfin, c'est peut-être un des trucs dans les RPG qui me plaît le plus. C'est-à-dire qu'un RPG qui me propose que de l'action, mais pas d'évolution de personnage, ça va pas du tout m'intéresser. Et bon, Fable, clairement, c'est un des jeux qui vous propose une évolution du personnage la plus... Enfin, tellement poussée, quoi. À l'époque, enfin, c'était déjà... À l'époque, c'était révolutionnaire, on va pas se mentir, parce que il y avait la notion de personnage qui grandit, c'est-à-dire que vous l'aviez enfant, et au fur et à mesure que vous jouiez, il devenait de plus en plus vieux. Ça, c'était quand même... Ensuite, le côté du choix, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez son alignement, ça, bah, c'était unique, hein. Personne proposait ça à l'époque où Fable est sorti. C'est même Fable qui a inventé le genre, on va dire. Et le truc, c'est que, voilà, moi, tous les RPG qui proposent pas assez de système d'évolution, c'est vrai que ça m'a souvent, bah, pas plu. Et peut-être que l'évolution du personnage, c'est peut-être le point dans un RPG qui me plaît le plus. Bon, là, clairement, je vais pas m'éterniser ici, parce que ça peut durer des heures. On va juste se faire les gros, quand ils sont là. Hop, parce qu'ils sont pas hyper durs à battre. Il suffit de continuer à taper, au bout d'un moment ils tombent. Et puis les petits qui sont autour, mais on va essayer d'éviter de passer trop de temps. Ah, c'est trop stylé, hop, je prends celui-là. Hop là, coucou les copains. La vache, ils sont pas contents. Ils ont la haine. Putain, y'en a toujours, hein. Quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Bonjour. Bon allez, ouais, j'en fais encore un peu et puis je vais arrêter. Mais c'est tellement jouissif de voir l'expérience. De voir l'expérience tomber comme ça alors que vous faites absolument rien. Regardez, j'en suis déjà à 2500 points d'expérience stackés. C'est de la folie. Je crois que j'ai jamais stacké autant dans tout le let's play, quoi. Y a moyen d'XP des heures et des heures ici. En plus, franchement, ils font absolument pas mal. Là, dès que j'ai plus de vie, il suffit de faire un coup de soin et pouf, ma vie remonte. Et le temps que ma vie soit redescendue, oh là, c'est trop bien. Ici, si vous avez genre une caractéristique que vous n'avez pas assez up, c'est ici qu'il faut aller, quoi, clairement. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Bim, bim, bim. C'est trop bien, je pourrais faire ça pendant toute la journée. Allez, on va s'arrêter parce que ça n'a vraiment aucun intérêt pour vous. C'est un... Casse-toi! C'est parce que c'est plus à moi que ça fait plaisir, en fait, de jouer ça. Enfin, plus qu'à vous, quoi. Par contre, ouais, clairement, en fait, je me rends compte que le lock, c'est-à-dire le verrouillage des monstres, c'est pas forcément super quand il y a plein de monstres. En fait, ça a d'intérêt que quand vous affrontez un seul boss, comme là, par exemple, c'est le cas. Bim! Voilà, hop, direct, là, on arrête le verrouillage parce que c'est clairement pas pratique. Bon, là, on va continuer, hein. faut pas s'arrêter. Il garde cette porte, vous ne pouvez pas passer. Oui, il garde pas grand-chose, hein, je trouve. Hop là, moi, je les ratisse plutôt. Bim! Bim! Attends, j'attends qu'il se relève. Il y a son copain derrière. Cool, il est de dos. Putain, je tape tous là. Voilà, donc toi t'es mort. What the f... Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah d'accord, ouais, c'est lui en fait, en le tuant, ça a activé quelque chose. Bonjour, au revoir. Votre nouveau rang est très célèbre. Je crois qu'il y a eu un léger bug graphique devant la porte, mais bon, c'est pas très important. Ah, c'est dommage que le jeu soit aussi vieux, mais je pense qu'aujourd'hui, un jeu comme ça, il aurait des décors magnifiques et ce serait peut-être un des meilleurs RPG possibles à réaliser, quoi. D'après Frigiel, enfin ça c'est une source... Enfin, Frigiel n'est pas une source sûre, hein, mais il m'a dit qu'ils allaient en faire un remake HD.
Et si c'est vrai, enfin, je vais m'empresser de le rejouer en HD, quoi, parce que... Il faut 10 clés pour l'ouvrir. Bon, j'ai pas 10 clés, donc tant pis. Oh là, coucou. Bon, bah moi qui voulais tabasser du squelette tout à l'heure, je crois que je suis servi. Je suis pas sûr de très bien comprendre ce qu'il fallait que je fasse là, par contre, du coup. Parce que c'est bien beau de tabasser des squelettes, mais... En soi, c'est pas une fin, quoi. Ah, j'ai l'impression qu'à chaque squelette que je tue, j'active un squelette par terre. Alors attendez, en fait, il passe du royaume de l'ombre au royaume du réel, j'ai l'impression, un truc du style. Hop, plus qu'une tête à activer, et voilà. Oh, coucou. Coucou, copain. Oula. Oula, oula, ils ont pas l'air contents, eux. Ça a l'air d'être des gros vénères. Non, mais c'est juste des petits de tout à l'heure. Il suffit de... Ah, mais ils sont trois. Ça, c'est pas bien, ça. Oh là, l'animation de... Quand le perso tombe est absolument infâme. Hop, mange, mange. Il faut que j'arrive à caler des auto-hits. Il faut que j'arrête de jouer à League of Legends. Il faut que j'arrive à caler des grosses attaques sur les persos, sur les monstres le plus possible. Parce que c'est vraiment ça qui leur fait mal. Ah, il est sorti du royaume, lui. Coucou, au revoir. Allez, reviens-toi. Que je te cale des... Eh ben, au revoir. Putain, c'est vraiment une quête super simple en soi. Hein. C'était vraiment pas dur. Et du coup, et ben voilà, elle est terminée. Ça nous fait un bon let's play de reprise. Vous recevez une nouvelle quête. Et une nouvelle quête aussi. Choisissez vos quêtes. Quête à la guilde. J'avais oublié ça. Donc là, je sais pas du tout où je vais, mais ça s'est ouvert, alors on va y aller, hein. Je pense que c'est plus intelligent. Et on va pas aller tout de suite récupérer la nouvelle quête. Trouvez votre mère et échappez-vous de la prison de Bargate. Ok, donc ça... En fait, vous savez quoi, on va tout faire dans cet épisode. Parce que j'ai absolument pas envie de... attendez. Est-ce que je vous coupe ici? Vous le savez. Puisqu'effectivement, il ne reste que très peu de temps sur la vidéo qui s'affiche devant vous. Car j'ai décidé de m'arrêter là. Ouais, ça me paraît être une bonne idée, étant donné que je crois me souvenir de la suite et que ça reste d'être un peu long. L'épisode faisant déjà plus de 20 minutes, c'est sûr, même bien plus, peut-être 30 minutes, quelque chose du style. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé l'épisode. Je vous donne rendez-vous très prochainement, parce que là je vais tourner la suite d'une seule traite, donc ce sera l'épisode 19 dans lequel je ferai la suite. Et écoutez... Moi je suis ravi de tourner, de faire ce let's play. En fait j'avais oublié à quel point Fable c'est super comme jeu. Vraiment c'est un plaisir à jouer. Du coup je vais m'y remettre. Maintenant que j'ai un nouveau studio, de nouvelles motivations et surtout plus de famille pour vous empêcher de faire des vidéos. Parce que oui, moi je trouve qu'avoir des gens chez soi ça empêche un peu de faire des vidéos. Je vais me faire plaisir et m'en donner à cœur joie pour vous faire plaisir. Et surtout me faire plaisir, je vous cache pas que c'est la priorité, hein. Quand on tourne un let's play, c'est vraiment de se faire plaisir. Après, si ça plaît à d'autres, c'est très bien, mais si vous vous faites pas plaisir, vous pouvez pas faire un let's play. En tout cas, Fable, ça me plaît, et je me répète, j'ai plus grand chose à dire. Donc du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.